Philippe Sansonetti, notre invité ce matin, est médecin, chercheur en microbiologie à l'Institut Pasteur et à l'INSERM, professeur au Collège de France. Il a publié « Vaccins chez Odile Jacob ». Nous sommes avec Léa Salamé, Daniel Messager. Et vous avez la parole, ami auditeur d'Inter. Bonjour Janine. Oui, bonjour. Alors moi, je voulais d'abord, avant de poser ma question, situer le problème. J'ai eu 3 enfants qui ont été vaccinés à des âges différents. La première a été vaccinée pour la première fois à 17 ans parce qu'elle avait, elle était asthmatique et le médecin avait interdit en somme le vaccin. Mm-hmm. Elle a ensuite fait les maladies infantiles dont vous parlez tant, dont la rougeole qui l'a guérie pendant 4 mois, la varicelle qui l'a guérie de son asthme qui était continue hein, pendant 15 jours et enfin la coqueluche qui l'a guérie de 10 ans. À 18 ans. Je comprends pas bien, Janine. Qui l'a guérie, ça veut dire quoi ? Elle avait plus d'asthme après, en faisant la rougeole. Elle restait 4 mois sans faire d'asthme du tout. Alors, quel rapport avec les vaccins, dites-nous ? J'y arrive. Je veux dire que les maladies infantiles fortifient le corps et, ma fille ne faisait plus d'asthme pendant les maladies infantiles. Et la coqueluche l'a guérie de son asthme pendant 10 ans. Ah d'accord, donc vous ne vaccinez pas, vous pensez qu'avoir les maladies jeunes, c'est une forme de vaccin, c'est ça ? Ça les guérit, je ne sais pas si c'est un vaccin, mais ça les guérit. Merci Janine pour cette intervention et votre témoignage. Philippe Sansonetti. Ben, c'est toujours pareil. Hein. D'abord, on peut se poser la question de savoir la réalité de ce processus de protection qui, sur le plan scientifique, est certainement pas validé, malheureusement. En tout cas, pour répondre directement à cette question. Mais c'est le problématique, elle est au niveau du risque des maladies infectieuses, c'est-à-dire que avoir fait la coqueluche, la rougeole et autres maladies qui peuvent être prévenues par la vaccination, c'est à chaque fois avoir laissé l'enfant exposé au risque des complications, à la fois de la morbidité et puis de la mortalité éventuelle, parce que la rougeole tue à une fréquence de 3 pour 1000, ce qui est quand même beaucoup. Donc voilà, moi, mais c'est quoi, c'est un mythe des familles de dire une bonne maladie va dresser le corps. C'est un peu incrusté dans l'inconscient peut-être collectif, cette idée que bon, il faut faire les maladies parce que c'est une espèce d'éducation obligatoire, une espèce d'étape par lequel l'enfant doit passer. Et effectivement, c'est comme ça que s'est bâti le système immunitaire tout au long de l'évolution humaine, par l'exposition à ces maladies infectieuses. Et puis d'un seul coup, au siècle dernier, on est arrivé avec des méthodes qui permettent de mimer ces maladies sans en avoir les complications. C'est là qu'est tout le débat et c'est là qu'est branchée la problématique de santé publique et de prévention de ces maladies. Allez, on retourne tout de suite au standard. Catherine, bonjour. Alors j'ai une question à poser au docteur ce matin. Je ne vois pas quelle est l'urgence. Je suis naturopathe, je dois préciser. Et je ne vois pas quelle est l'urgence à faire 12 vaccins, voire 11 vaccins à des enfants de 2 mois, alors qu'on sait très bien que ce système immunitaire n'est pas mature avant l'âge de 18 mois. Alors franchement, est-ce qu'un enfant de 2 mois est exposé à l'hépatite B, croyez-vous, ou c'est pas plutôt un lobby pharmaceutique derrière tout ça ? Vous êtes naturopathe, vous, Catherine ? Et je vois des enfants aussi autistes après des injections. Alors, j'ai rien contre les vaccins en soi, mais pourquoi les adjuvants si c'est pas un lobby pharmaceutique derrière tout ça ? Voilà. Bien, alors cette question, je vous la livre, Philippe Sansonetti, elle me semble ramasser tout ce qu'on entend chez les anti-vaccins. Il y a beaucoup de paramètres, je vous remercie d'avoir synthétisé toutes les problématiques qu'on entend actuellement contre les vaccins. Mais c'est vrai, c'est faux, il faut démentir si c'est totalement faux. Il y a plusieurs choses qui ne sont pas justes, je suis désolé de vous le dire. Premièrement, l'affirmation sur l'immaturité du système immunitaire des enfants. Les très très jeunes enfants ont un système immunitaire qui répond mal au sucre, c'est-à-dire aux capsules de microbes comme le pneumocoque, l'hémophilus. C'est pour ça qu'il faut faire des vaccins conjugués. Et ça marche. Ça immunise très très bien. Les enfants sont tout à fait susceptibles de répondre à ça. Donc l'affirmation qui consiste à dire les nourrissons ne sont pas compétents pour répondre aux vaccins, je vous assure, chère madame, qu'elle est fausse. Donc ça, c'est un premier point. J'ai entendu deuxième point aussi. L'autisme, c'est une aberration. L'autisme repose sur une
une étude qui a été faite à la fin des années 90 par un chercheur anglais qui s'appelle Wakefield et qui s'est avérée être une fraude scientifique. Malheureusement, la cicatrice c'est est bidon. Encore là, c'est bidon. L'autisme, c'est bidon. Ah, l'autisme, ah bah, oui, enfin, je ne peux pas vous répondre non, plus non, clair. Non, mais lié au vaccin. Le vaccin causant l'autisme, pour reprendre vos termes, c'est bidon, oui. Daniel Messager. Alors, ce que je crains malheureusement, c'est que, comme à chaque fois qu'il y a une émission sur une antenne, sur les vaccins, on entende à l'antenne des gens qui sont contre les vaccins, puisque ce sont effectivement ces personnes-là qui se manifestent. Rares sont les personnes qui se manifestent pour dire « mon enfant va bien parce qu'il a été vacciné ». Le copain de mon enfant va bien parce qu'il a été vacciné, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une protection collective, que ce n'est pas qu'une protection individuelle, et que le copain du copain de mon enfant, enfin voilà, la lignée. L'argument du lobbying pharmaceutique, on l'entend à chaque fois aussi. Est-ce qu'à chaque fois qu'on utilise un antibiotique, on entend l'argument sur le lobbying pharmaceutique ? Non, mais on l'entend à chaque fois effectivement sur le vaccin. Les anti-vaccins, c'est une conviction. Et j'en discutais avec un académicien des sciences il y a peu de temps. C'est très difficile de lutter contre une conviction. On a beau poser des arguments scientifiques, et c'est ce que vous faites, monsieur Sansonetti, depuis tout à l'heure, mais voilà. On peut montrer des enfants en bonne santé, ça aime moins que quand on montre d'autres figures, mais les enfants en bonne santé, ils sont en bonne santé parce qu'ils ont été vaccinés. L'éradication de la variole dans les années 80, peut-être que certains considèrent que c'est anecdotique, mais ça ne l'est pas. La prochaine éradication de la polio, peut-être en 2018, dit l'OMS, peut-être que c'est anecdotique, pourtant ça ne l'est pas. Le fait qu'on est passé sous la barre des 100 000 décès dus à la rougeole dans le monde cette année grâce au vaccin, peut-être que certaines personnes considèrent que c'est anecdotique, mais ça ne l'est pas. Voilà, on pourrait aller loin comme ça. C'est difficile d'argumenter avec des arguments scientifiques, mais heureusement que vous le faites. Peut-être que vous l'avez fait un peu tard, d'ailleurs. Je peux me permettre de vous dire ça, parce que ce sentiment de défiance, il monte quand même depuis un bout de temps. Heureusement que vous le faites maintenant, parce qu'il faut opposer des arguments scientifiques. Philippe. Et il ne faut pas tomber dans l'obscurantisme, mais montrer que la réalité, c'est la science, et c'est ce que vous prouvez maintenant. Philippe Sansonetti. Oui, je prends votre point sur le retard. C'est difficile parce que nous, moi, je veux dire, pour mon compte personnel, qui suis un pur académique, si je puis dire, je vivais dans ma bulle pasteurienne de nécessité, au fond, de faire progresser la problématique vaccinale. On développe des vaccins pour les enfants dans les pays en voie de développement, en particulier les pays les plus pauvres. Et donc, pour nous, la vaccination, c'est quelque chose qui au fond, ne se discutait pas au jour le jour. Et je pense qu'on n'a effectivement pas senti venir cette mouvement sociologique de défiance, parce qu'on n'était pas dans cet environnement-là, en fait. Encore un mot, Daniel, et puis on retourne au standard. Oui, la conférence de presse que vous organisez demain, justement, avec un grand nombre de scientifiques pour démontrer l'efficacité et l'innocuité des vaccins, elle va être présidée par Françoise Barré-Sinoussi. Et je pense que c'est important de le dire parce que quand la... Prix Nobel pour avoir découvert le virus du sida. Et je pense que c'est important de le dire parce que quand le virus du sida est apparu, on attendait qu'une chose, et on l'attend toujours, le vaccin. On dit le vaccin, quand il faut vite le vaccin. Et c'est comme si aujourd'hui, on ne parlait grippe, plus du vaccin. Bah non, mais contre la grippe, contre les vaccins qu'on a découverts, ceux-là, ils ne sont pas intéressants. Et l'autre, on l'attend toujours. Ouais. Allez, on passe au standard. Odile, bonjour. Oui, bonjour. Alors, j'appelle, j'ai une fille de 15 ans, vaccinée Pentacoque et ROR, mais pas le BCG. Et aujourd'hui, je m'interroge sur la nécessité de la vacciner contre le papillomavirus, ou non. Merci Odile pour cette question. Philippe Sansonetti. Oui, on est 15 parti ans. Demain essentiellement pour parler de la vaccination de la prime enfance, mais il y a effectivement la vaccination contre un certain nombre de maladies plus tard dans la vie qui sont relativement difficiles, en tout cas en France, à faire passer. Pour nous, la vaccination contre le papillomavirus, elle est une offre supplémentaire d'amélioration de la santé de nos concitoyens. Je voudrais dire que c'est basé, ce vaccin, non pas sur, comme on le dit souvent, un caprice d'industriel en mal de bénéfice, c'est un prix Nobel de virologie, Harald Zuhausen, en Allemagne, qui a démontré... Il l'avait obtenu la même année que les découvreurs du sida. Absolument, il était le troisième en 2008 pour le prix Nobel sur le VIH et donc les HPV, les virus papilloma. C'est lui qui a démontré, d'autres d'ailleurs, Gérard Hort, chez nous à l'Institut Pasteur, le côté oncogène de ces virus. Donc cette vaccination, elle va prévenir ces maladies et elle va prévenir la survenue ultérieure du cancer du col de l'utérus.
Donc bon, il faut le faire. Il faut le faire, bien sûr. Léa Salamé. Il y a des vaccins dont vous vous méfiez ? Il y a des vaccins que vous ne conseillez pas, par exemple le BCG. Moi, je vois que les pédiatres ne sont pas d'accord. Certains vous disent faites-le, d'autres ne le faites pas pour l'enfant. Non, le BCG, l'affaire a été résolue en France en disant que la recommandation était levée, sauf dans des zones très particulières où l'exposition au bacille tuberculeux est encore relativement importante. Donc vous ne le feriez pas à Paris, notamment ? Dans Paris intramuros, ça ne fait pas partie des zones où le BCG est conseillé. Mais on a vu à Rennes très récemment, zone aussi, où cette vaccination a été levée. On a vu un décès d'un bébé de méningite tuberculeuse. Donc la tuberculose, elle est toujours là. Mais je voudrais dire quand même une chose, c'est que ça prouve tout de même que les autorités sanitaires de ce pays et d'autres sont capables de revenir sur un certain nombre de vaccins quand ils ne sont plus nécessaires. Ou en tout cas qu'ils ont l'air, sur les données épidémiologiques du moment, de ne pas être nécessaires. Donc ça va un peu à l'encontre de ces thèmes antivaccinaux, de cette espèce d'obsession compulsive que pourraient avoir les partisans des vaccins, de vacciner, vacciner, vacciner. Non, quand épidémiologiquement ça ne se justifie plus, on peut revenir. La variole, on a arrêté de vacciner. Le virus est éradiqué, il n'avait pas de sens de continuer. Une question d'Alexis. Ce monsieur, c'est vous, ce monsieur, Philippe Sansonetti, travaille-t-il ou a-t-il travaillé pour des laboratoires ? Eh bien, la réponse est non, non et non. Je peux être un académique pur. J'ai travaillé à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, à l'Institut Pasteur. Je suis professeur au Collège de France, des institutions éminemment académiques. Voilà. Je n'ai jamais eu de rapport avec les industriels en termes de conflit d'intérêts, comme on veut bien le dire. Ça existe, des gens qui ne sont pas sous la menace de ces lobbies pharmaceutiques. Et on est beaucoup, et c'est ça qu'on veut montrer demain à cette conférence de presse. Allez, Elisabeth, bonjour. Oui, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Donc, je suis maman de 3 grands-enfants. Les deux grands, je ne suis pas forcément contre la vaccination. Les deux grands ont été vaccinés pratiquement sur tout. Et le dernier, beaucoup moins que les deux premiers. Et ma question, elle est la suivante. J'ai des amis en Allemagne. Là-bas, aucun vaccin n'est obligatoire. Donc je me demande si les virus sont comme le nuage de Tchernobyl, s'arrêtent à la frontière. Merci Elisabeth pour cette question. Philippe Sansonetti. Vous savez, chaque pays, madame, prend les mesures de santé publique à la mesure de la perception de ce que ses concitoyens pensent de la situation. Donc il est clair qu'il puisse y avoir des différences, je dirais, culturelles dans l'approche de tentative de maintenir une couverture vaccinale de haut niveau. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les Allemands, à l'heure actuelle, se battent avec le même problème que nous. Ils ont de nouveau une épidémie de rougeole rampante sur l'ensemble du pays. Ils ont de nouveau des cas de coqueluche. Ils ont mis au moins cette limitation qui consiste à obliger les parents à avoir au moins une consultation sérieuse médicale de façon à ce que le médecin puisse les convaincre de la nécessité de la vaccination. Mais c'est vrai que les approches sont un petit peu différentes. La perception, encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure de cette notion d'obligation, est liée à vraiment cette perception de l'urgence de rétablir une couverture vaccinale par rapport à la défiance qui est à l'évidence permanente en ce moment dans notre Daniel. Pays. Daniel. Oui, quand on compare avec un pays étranger, on peut comparer dans les deux sens. On évoquait tout à l'heure le papillomavirus. Les pays scandinaves, le Danemark en particulier, vaccinent ces jeunes filles depuis très longtemps. Et on a constaté au Danemark, parce qu'on a le recul nécessaire maintenant, qu'il y avait une diminution des cas de cancer du col de l'utérus. D'ores et déjà, alors que ça a été commencé il y a peu de temps, ça veut dire que dans 10 ans, on n'aura plus de cancer du col de l'utérus en combinant. Je rappelle que c'est la santé publique, c'est une combinaison d'interventions. Ce n'est pas le vaccin contre le frottis, c'est les deux en même temps. C'est comme ça qu'on arrive à éradiquer une maladie. Et nous, on aura encore notre millier de cancers du col. Voilà, c'est tout. C'est Florence, et ce sera la dernière question, dit que la défiance augmente. C'est une évidence. Je rencontre de plus en plus de parents qui refusent de vacciner leurs enfants. Plus grave, ces mêmes parents obtiennent de faux certificats médicaux auprès de leur médecin traitant. Que faire ? Que peut faire l'ordre des médecins dans ces cas-là ? Philippe Sansonetti. Oui, moi je ne suis pas un spécialiste de la loi. Comme vous l'avez vu, je suis un médecin et un scientifique. Je pense que la situation est très difficile. Je pense qu'on passe une période très difficile. Je pense qu'il faut serrer les dents. Il faut que nous soyons scientifiques fermes sur nos convictions, sur ce que nous disons, sur les messages que nous délivrons. Il faut que les médecins soient formés de meilleur niveau à la santé publique. Parce qu'au fond, quand les gens
je termine là-dessus, quand les parents cherchent une information sur le vaccin, les études d'opinion ont été faites, y compris par Santé publique France. La personne de référence, c'est le médecin. Donc il faut que les médecins soient conscients de tout cela.